Que la paix de Dieu, que la grâce et la joie vous soient en partage, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes assez nombreux sur cette chaîne pour nous suivre sur MLTV, sur ML24TV. Que la grâce de Dieu vous soit en partage. Je vous demanderai une seule chose, de vous abonner massivement afin de recevoir à chaque instant une notification sur nos programmes télévisés. Que la grâce de Dieu vous soit en partage sur le pasteur Olivier Lubamba. L'autre fois, nous avions parlé sur la souffrance et nous continuons une série dans la démarche parce que Dieu est celui qui nous délivre de toutes nos souffrances. Et j'aimerais aider quelqu'un, j'aimerais aider une sœur, un frère, une bien-aimée, un bien-aimé à comprendre ceci, que Dieu est celui qui écoute et exauce la prière. Malgré ce que nous pouvons vivre, il y a une chose qui est vraie, qu'il est celui qui exauce et qui écoute nos prières. Malgré nous, nous sommes combattus, nous sommes vraiment accablés, nous vivons des temps très difficiles, mais j'aimerais rassurer une sœur, rassurer un frère, que Dieu est celui qui écoute et exauce la prière. Le peuple d'Israël s'est retrouvé dans la souffrance, Dieu a entendu, il a vu la souffrance, il est descendu pour les délivrer et il a fait. David s'est retrouvé dans la souffrance, dans le combat. Dieu a entendu, Dieu est descendu et a délivré David. Bien-aimés, certains hommes de Dieu se sont retrouvés aussi dans la souffrance. Dieu a entendu, a vu la souffrance et a exaucé la prière. Dieu les a délivrés de leur situation très difficile. C'est pour dire que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et il reste éternellement Dieu. De la même manière il a fait l'autre fois, il le fera aussi avec toi. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre dans la démarche avec Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans des situations très difficiles, le Seigneur nous a montré la voie de sortie. Et c'est ce fondement-là que j'ai poussé. C'est Ecclésiaste 7, 14 et c'est Jacques chapitre 5, le verset 13. Ce sont deux versets qui nous aident et qui nous montrent comment est-ce que nous pouvons. Lorsqu'on se retrouve dans une situation très difficile, la première des choses, on doit réfléchir. Parce qu'il nous est recommandé de réfléchir. Réfléchir d'où vient notre souffrance, d'où vient cette situation. Et la deuxième attitude, c'est quoi? C'est de prier. J'ai dit l'autre fois que la souffrance peut venir de Dieu. Et la souffrance qui vient de Dieu, c'est l'épreuve qui a comme objectif nous faire grandir dans la foi et produire en nous la patience. Mais il y a une deuxième source que j'aimerais aborder ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle tu es en train de nous suivre. La source qui vient de l'homme. L'homme peut être lui-même l'auteur de sa propre souffrance. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous avions beaucoup plus la facilité de dire que c'est telle personne, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est ci, c'est là, c'est papa, c'est maman qui peut être, le frère ou la soeur qui peut être. Mais des fois, nous oublions ceci, que nous-mêmes, nous pouvons être aussi. L'homme peut être aussi l'auteur de sa propre souffrance. Comment est-ce que l'homme peut être sa source de sa propre souffrance? Comment est-ce que l'homme peut être la source de sa propre souffrance, des situations qui lui arrivent comme tempête, des vents qui se sont élevés? C'est lorsque l'homme marche dans la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit, lorsqu'on marche dans le péché, bien-aimés, nous ouvrons des portes à la souffrance. Nous ouvrons une fois de plus les portes qui nous amènent les vents, qui nous amènent, bien-aimés, à vivre certaines situations très difficiles parce que nous avions désobéi, notre communion avec le Seigneur est rompue. Je vais lire un verset avec moi, Ésaïe et Jean chapitre 5. Ésaïe 59, le verset premier. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité.
Nous tâtonnons comme des aveugles, verset 10, le long du mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Et nous chancelons à midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Bien-aimés, lorsqu'on vit dans une vie du péché, lorsqu'on vit dans la désobéissance totale à la parole de Dieu, il y a des choses qui vont venir, des situations très difficiles qui vont se mettre au devant de lui. Le péché nous ouvre la porte à la souffrance. L'homme qui s'est retrouvé à la piscine de Bethesda, qui a fait 38 ans dans cette situation, lorsqu'il a été guéri, le Seigneur lui a dit « va et ne pêche plus ». C'est-à-dire que sa maladie, la source, c'était le péché. Lorsqu'on se retrouve dans le péché, la maladie peut venir. Bien-aimé, la pauvreté peut venir. Des situations peuvent se retrouver bloquées. Tu n'arrives pas à t'en sortir parce qu'il y a quelque chose que tu as fait. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'a jamais été d'accord avec cette vie-là que tu es en train de mener. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu commences à demander que Dieu délivre-moi. Accomplis-moi cette promesse. Comment est-ce que Dieu va accomplir la promesse quand tu marches dans la désobéissance? Par Adam, le péché est entré. Le péché a produit la mort. La mort s'est étendue dans toute l'humanité. Lorsque nous péchons, nous nous suivons, nous ne marchons pas dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, la communion avec Dieu est rompue. La face de Dieu ne se fait plus voir. Dieu nous cache sa face. Et lorsque Dieu nous cache sa face, bien aimé, il n'y a pas de réponse à nos problèmes. Des fois, nous prions, c'est qu'il est insensible à nos cris. Des fois, nous cherchons sa face. Des fois, nous disons que non, il est où? Mais non, il est là. Mais il faut que nous puissions commencer d'abord par la repentance. Tu ne peux pas commencer à chercher la face de Dieu, à demander à ce que Dieu te bénisse, Dieu accomplisse les promesses. Aussi longtemps, tu ne t'es pas encore repenti. Tu vis dans le colportage, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'escroquerie, tu vis dans les débauches, tu vis dans l'impudicité. Mais tu demandes à ce que Dieu puisse te bénir. Comment est-ce qu'il va te bénir? Parce que tu as reçu la prophétie chez le prophète Jérémie? Parce que le prophète Patrick t'a donné une prophétie? Parce que le prophète Osée t'a dit cela, t'a dit ceci, parce que Dieu lui a montré qu'il te voit en Europe, il te voit en train de toucher beaucoup d'argent, d'être avec de grandes personnes, mais ta vie n'est pas correcte. Vous croyez que Dieu va accomplir cela? Non, vous vous trompez, Dieu ne va pas accomplir une promesse sur la vie d'une personne qui est dans la désobéissance totale. Impossible. Dieu ne peut pas t'accorder le mariage quand tu sors avec le mari d'autrui. Tu pouffes le salaire de ces enfants-là. Les salaires-là qu'on doit donner à cette femme avec ces enfants-là qui doivent manger. Mais toi, tu prends ça et tu retiens le mari d'autrui en captivité. Et tu, des fois, tu es en train d'appeler même la dame au téléphone. Tu te moques d'elle. Et tu crois que Dieu va te bénir. Impossible, Dieu ne va pas te bénir. Il y a une souffrance qui vient de l'homme, bien-aimé, par sa marche. Parce que l'homme n'obéit pas à la parole, Dieu le laisse dans la marche, dans la souffrance. Tu commences à tâtonner, tu touches ceci, ça ne tient pas. Tu reviens dans telle activité, ça ne tient pas. Parce que tu as escroqué beaucoup de personnes de l'argent. Mais tu n'as jamais, une fois de plus, à avoir ce petit souci-là. De dire, bon voilà, je vais rembourser votre argent. Je commence à rembourser l'argent d'autrui. Mais toi, tu es là, tu bois, tu manges, tu te mets et tu es en train de glorifier le Seigneur. Dans ton ventre, tu as l'argent d'autrui. Dans ton ventre, tu as l'argent d'autrui. Tu es en train de faire des fausses accusations, les faux témoignages, bien-aimé, sur la vie d'une personne. Tu as détruit la réputation d'une personne. Et tu as affirmé que cette personne a fait ceci, a fait cela. Et tu acclames, tu es dans la joie. Et tu crois que quand tu profères des fausses accusations, Dieu va te laisser comme ça, sans te punir. Non. Le faux témoin ne restera jamais plus impuni. Dieu va te punir. Kola Robert Tayo.
Tu affirmes quelque chose que l'autre n'a pas fait. Et le travail de celui-là, aujourd'hui, il a perdu son travail, il a perdu l'emploi parce que tu as fait des fausses accusations au travail. Et la vie de toute une famille est clouée par terre. Et toi, tu viens dimanche, tu es là, Kolo, Nabalae, Nabotae, Zambane. Non, Zambanani. Attends, Zambambia. Attends, Zambanani, Yamutombo. Apeso Yamuti. Tu prends le salaire des gens, tu es en train de bouffer les avantages du bouffe, ceci, cela, toi-même, dans ta poche, dans le ventre, avec ta famille et tous tes subalternes-là qui sont en train de greffer de faim. Dehors, des autres sont dans des situations très difficiles, ils ont des parents dans des hôpitaux, mais tu n'as pas ce souci-là de dire non, voilà, je dois les peu libérer un salaire de l'autre. Ce salaire de celui-ci, de cela, leur paye les avantages, leur prime. Mais toi, tu prends, tu cautionnes, tu prends, tu bloques. Et tu viens dimanche, en veste, là, tu es en train de prier avec un bon français. Comment voulez-vous que cette maladie-là, ce cancer-là finisse? Mais ça ne va pas finir. Raison pour laquelle vous vous retrouvez dans des maladies très, très, très compliquées. Malgré vous priez, mais c'est comme si Dieu n'est pas là, Dieu ne vous écoute pas. Non, Dieu vous écoute, mais vous devez vous repentir et réparer avec Dieu, avec les hommes. Tu ne peux pas être là, tu prends la vie des gens, tu commences à colporter, celui-ci a fait ceci, celui-là a fait cela, toi tu es loin, mais tu peux prendre une nouvelle de Kinshasa et tu l'as fait déjà traverser dans le monde entier. Wanakin, toi confiné, toi qui pas bakazate, mais sans moi, toi ne commis na Kentukine, et commis na Las Vegas, ne commis na Mboka Kingan, ne commis na France, ne commis parce que toi n'a pas WhatsApp, pas facilité, Zali, oui, Moutouinani, à Salakibo, à Salakibo. Et toi, et tu fais ce que tu veux sur cet argent-là qui ne t'appartient même pas. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Comment est-ce que tu veux que Dieu te donne ton mari à toi? Comment est-ce que tu veux que Dieu te donne cette promesse qu'il a faite? Kola koko pambolo te bien-aimé, tant kozo ko vivre na kat na vie à ma soumouté. Non, bien-aimé. La vie du péché nous amène à la souffrance totale. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui se retrouve dans la souffrance, mais il comprend que cette souffrance-là que je suis en train de vivre, c'est parce que j'ai commis un tel crime, c'est parce que j'ai fait ceci, cela, c'est parce que j'ai touché à tel point, c'est parce que j'ai pris l'argent d'autrui, l'argent de l'église, j'ai bouffé ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu te retrouves, bien-aimé, répands-toi. Parce que j'ai proféré un faux témoignage. Parce que j'ai dit du mal de quelqu'un, mais celui-là n'avait pas fait cela. Aujourd'hui, il se retrouve dans la souffrance. Cet homme-là qui se retrouve, il a perdu le travail parce que tu as proféré de fausses accusations. Mais lorsqu'il prie chaque jour, mais Dieu, il entend, il écoute. Tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Lorsque tu retiens même les avoirs des uns des autres, des héritiers, toi tu le retiens. Au lieu de donner, tu ne veux pas donner. Au lieu de t'acquitter de cette charge, non, toi tu commences à chercher les voies, les moyens, comment est-ce que tu peux contourner et que cette personne-là te revienne. Mais Dieu va t'exposer à la souffrance. Lorsque tu exploites le veuve et l'orphelin, comment est-ce que tu veux que ta vie puisse évoluer, bien-aimé dans le Seigneur? Répands-toi. Et que Dieu te fasse sortir dans cette situation-là. La souffrance qui vient de l'homme ne peut venir que par sa marche. Lorsque nous désobéissons, bien-aimé, la tempête s'élève. Lorsque nous désobéissons, nous sommes une fois de plus retrouvés dans le cas, bien-aimé, de Jonas, parce que Jonas n'a pas obéi. On peut se retrouver dans ce cas-là. Et la tempête s'élève parce qu'on n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Réfléchis, bien-aimé, la source de cette souffrance, si tu reconnais que cette souffrance que je vis, c'est quelque part que j'ai commis. J'ai engrossé une fille, mais je n'ai jamais accepté que cette grossesse-là, c'est moi qui en ai l'auteur. Non. Non, c'est parce que cette grossesse-là qui appartenait à tel monsieur, moi j'ai dit non, celui-là ce n'est pas un homme
qui en est l'auteur. Non, je vais donner à celui-là parce que lui, l'autre, là, a des moyens. Comme ça, lui va prendre l'enfant en charge. Au conseil, moi, la bâtiment cambrésé. Comment est-ce que tu veux que ta vie soit sauvée, délivrée? Quand tu as fait avorter la plupart des jeunes filles et tu étais là pour donner, pour stimuler les autres en conseil, en acte, même en somme d'argent pour avorter, comment est-ce que ces sangs-là qui crient aujourd'hui, comment est-ce que tu pourras sortir de ta souffrance? J'aimerais dire à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation de se repentir, de prier le Seigneur et que le Seigneur puisse manifester sa miséricorde pour toi et que cette situation change et que tu ne sois pas une fois de plus dans cette situation de souffrance, dans ce vent qui s'abat, dans cette tempête, bien-aimé, parce que tu l'as voulu ainsi. Non, j'aimerais que tu te repentes. Le Seigneur est celui qui écoute toujours et exauce la prière. Il ne rejette à jamais. Le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va manifester sa miséricorde sur toi parce que tu t'es repenti et cette repentance a été sincère. Prie ensemble avec moi. Seigneur notre Dieu, que ta miséricorde se manifeste sur la vie d'un frère, d'une sœur qui a écouté, entendu cette parole de ce matin, de cet après-midi. Que le Seigneur, je demande à ce que le pardon que tu as manifesté à la croix et que tu manifestes même aujourd'hui au temps de la grâce, que tu le manifestes aussi pour eux. Parce qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés dans 1 Jean 1:9, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute souillure et iniquité. Seigneur, pardonne ce frère, pardonne cette sœur qui a proféré des faux témoignages, qui a menti, bien-aimé, qui a escroqué, qui a pris le mari d'autrui, qui a détruit les vies humaines, Seigneur. Les vies humaines, Seigneur, ont été détruites par ce bien-aimé. Que ta miséricorde, que ton pardon, afin que ce vent cesse et que cette souffrance cesse, afin qu'il puisse sortir de cette situation, Seigneur notre Dieu, cette situation d'impasse. Parce que le péché est entré, le péché a amené la mort, et aujourd'hui, ce bien-aimé se retrouve bloqué sur tout le plan. Mais Seigneur, que ta miséricorde, parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Ceux qui ont délaissé, que le Seigneur notre Dieu nous accorde sa miséricorde. Ceux qui ont avoué, ont délaissé. Seigneur, ma prière est que tu leur accordes ta miséricorde et que tu restaures toutes choses en eux. Que la grâce demeure en nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu vous soit en partage. Suivez-nous sur MLTV 24. Abonnez-vous massivement. Vraiment, je vous demande de vous abonner pour suivre nos programmes à chaque instant, nous sommes là. Pour vous aider, bien-aimés, à parler de certaines vérités. Parce que l'Écriture dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour que vous soyez toujours affranchis, j'aimerais que vous puissiez vous abonner massivement sur cette chaîne MLTV 24. Et que vous puissiez suivre nos programmes chaque fois que nous serons toujours dans cette situation où Dieu nous permet à ce que nous puissions parler des choses et que vous puissiez vivre ces vérités, que vous puissiez intérioriser cela et que vous puissiez vivre la main de Dieu. Plus 243 82 61 89 981. Plus 243 82 61 89 981. Nos contacts sont affichés là. Appelez-nous, nous serons là disponibles pour vous aider et pour vous accompagner dans la démarche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma soeur, que Dieu bénisse mon frère, que Dieu bénisse chacun de nous en ce moment très difficile et que la paix demeure à vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.